Venez avec moi dans Deutéronome 28 au verset 47. Je vais vous lire à partir à partir de la Bible du Semeur. Il est écrit si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu, vous avez compris, si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur, au sein de l'abondance en toutes choses, au verset 48, vous serez asservi aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim. Et soif. Dites faim et soif. Vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. Oh, c'est une bonne parole, ça. Combien d'entre vous, vous voulez avoir faim et soif, vous voulez manquer de vêtements et vous voulez être privé de tout? Je vous lis dans la Bible du sommeur. Si vous cherchez dans votre Bible, c'est pas pareil. Des fois, dans la Bible du Sommer, on peut voir vraiment l'image. Ici, il y a une parole dans le chapitre 28 de Deutéronome 28, c'est le chapitre de la bénédiction et de la Je vous ai donné un indice. Dans Deutéronome 28, nous retrouvons la bénédiction comme être béni et nous voyons comme être maudit. On aime beaucoup la première partie, mais on doit aussi lire la deuxième partie qui nous parle de la malédiction. Et c'est de cette façon qu'on peut discerner si nous marchons sur le chemin de Dieu ou sur le chemin de la malédiction. Bon, la Bible me dit que ceux qui étaient rebelles contre Dieu, qui ne servaient pas l'Éternel, auraient faim et soif, manqueraient de vêtements et seraient privés de tout. Ici, on appelle ces gens-là des personnes qui sont pauvres, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a rien à porter, qui porte, admettons, des vêtements troué, absolument, je ne sais pas, c'est toujours des vêtements défraîchis, vieux, absolument rien à porter. Cette personne-là a faim, ne peut pas se nourrir trois fois par jour, mais elle a faim. Et puis, elle est privée de tout. Quand quelqu'un fait quelque chose, euh, une célébration, venez avec nous, on va aller manger au resto, non, je ne peux pas. On s'en va en mission, non, je ne peux pas. On s'en va, je ne sais pas, faire quelque chose de béni, je ne peux pas. Avez-vous déjà été une personne qui disait toujours ⁇ Je ne peux pas ?⁇ Je ne peux pas. Je, je, je suis incapable en ce moment. Incapable. Non. Une telle invitation ⁇ non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Le diable veut que vous, que vous répondiez toujours ⁇ non, c'est impossible. Dimanche passé, j'ai prêché sur ⁇ l'impossible devient possible dans la gloire de Dieu ⁇ parce que nous servons un Dieu de l'impossible. Amen. Le diable aime limiter les enfants de Dieu. Le diable veut vous garder limité, il veut vous garder enchaîné par un esprit qu'on appelle la pauvreté. Il y a un esprit de pauvreté et dans Deutéronome 28 que nous venons de lire, nous parlons ici de l'esprit de pauvreté, de la malédiction. En fait, la pauvreté est une malédiction. La pauvreté fait partie de la malédiction. Avez-vous déjà compris ça? Gloire à Dieu. Donc, vous dites, Dieu ne veut pas que je sois maudit dans ma vie parce que Christ m'a racheté de la malédiction pour que je sois béni, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que Jésus est mort sur la croix pour nous racheter de la malédiction pour qu'on demeure aussi maudit qu'avant? Non. On devrait voir une différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps avec vous pour vous aider à comprendre que Dieu ne veut pas que vous soyez toujours privés de tout. Vous allez dire est-ce que c'est vraiment important Est-ce que c'est un message spirituel J'aimerais vous le dire tout de suite que c'est un message très spirituel parce que si vous êtes toujours privé de tout, vous êtes également une personne qui ne peut pas répondre à l'appel de Dieu en, en faisant toutes sortes de choses que Dieu vous appelle à faire. Parce que vous dites toujours je peux pas. Je peux pas. Si Dieu vous appelle à aller à Cuba, admettons, et Dieu vous dit, tu vas financer ton voyage, mais vous dites, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur, je suis toujours cassé comme un clou. Je suis pauvre. Dieu veut changer ça. Amen. On va, on va parler de l'esprit de pauvreté aujourd'hui. Et déjà, je dois vous avertir, vous devez être conscient que le diable ne veut pas que vous croyez ce message, parce que le diable veut que vous soyez pauvre. Amen. Le diable veut que l'Église du Seigneur Jésus soit pauvre. Amen. Bon, je vais parler ici. Les autres, ils disent rien. Peut-être, les autres vont dire quelque chose. Comprenez ceci le diable veut vraiment que les chrétiens soient pauvres. Il a même inspiré une Église où ils ont inventé un vœu de pauvreté, un vœu de pauvreté, un vœu, Seigneur, je déclare que je vais être maudit. Imaginez ça un vœu de pauvreté. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Et vous allez comprendre pourquoi. En passant, je veux que vous compreniez, je ne suis pas là pour vous juger aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer une parole de délivrance et de liberté pour vous. Amen. Dieu veut vous libérer de tout ça. Et aussi, comprenez, le diable ne veut pas qu'on soit libéré de ce joug de pauvreté, de cet esprit de pauvreté. Il va même utiliser des frères et des sœurs qui n'ont pas reçu une révélation concernant les finances selon Dieu. Et, il, et ces gens-là vont Mal représenter le message que je vais vous prêcher aujourd'hui. Ils vont dire toutes sortes de choses pour vous empêcher d'entendre le message. Comme ça, vous allez vous fermer les oreilles et dire Non, 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 je ne peux pas entendre ça. C'est un, un faux évangile, c'est un évangile bonbon. En passant, je ne distribue pas des bonbons aujourd'hui. Ce que je vais vous, vous annoncer, c'est vraiment la parole de Dieu. Vous verrez le verset à l'appui et vous, vous avez le choix soit croire la Bible ou croire les opinions des hommes. Amen. Moi, j'ai appris dans ma vie je veux croire la Bible. Je veux croire ce que Dieu a dit parce que les êtres humains vont toujours me dire "ouais ben ça c'est dans un certain courant les églises américaines sont comme si non moi je veux croire la parole de Dieu et la parole de Dieu fonctionne ici et euh, comme on peut voir aux États-Unis. Amen. Donc Deutéronome me dit Deutéronome 28 me dit si je suis maudit, je vais avoir faim et soif, je vais manquer de vêtements et je vais être privé de tout. Moi je dis je veux pas ça. Amen. Non, moi je ne veux pas ça dans ma vie. Si c'est votre cas, aujourd'hui, Dieu vous demande, voulez-vous demeurer dans cet état ou voulez-vous voir un changement Voulez-vous voir un changement dans votre vie Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter pendant quelques instants et on va voir mais c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire être pauvre Peut-être certains d'entre vous, vous n'avez jamais été pauvres et vous avez besoin de savoir c'est quoi parce que vous êtes tellement riches, vous n'avez aucune idée c'est quoi la pauvreté. Donc pour vous les riches parmi nous, je vais vous dire c'est quoi. Être pauvre ben en fait, le mot pauvreté, dans le dictionnaire Larousse, c'est l'état de quelqu'un qui est pauvre. Dites, wow. Donc la pauvreté, c'est l'état de quelqu'un qui est pauvre. Grande révélation. Amen. Bon, le mot pauvre maintenant. Celui qui a peu de ressources financières, peu de biens, peu pourvu. Ceci veut dire pas beaucoup d'argent, peu de biens, peut-être pas beaucoup de vêtements. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui dorment à terre, dans une maison ou sans maison, peu pourvus. Y a, ces personnes-là sont appauvries. Amen. Vous comprenez, c'est ça la pauvreté. Amen. Quand on, on habite au Canada, dans un pays où nous sommes tous prospères au Canada, et on va dans un autre pays, dans le tiers-monde, et quand on arrive avec. Euh, un message qui dit que Dieu aime ça qu'on soit pauvre, je vais vous annoncer tout de suite que les gens dans la pauvreté n'aiment pas votre message. Parce que vous, vous êtes, vous êtes capable de dire ça, vous êtes capable euh, parfois de, de vous opposer au message que je vais vous prêcher, et pas vous, là, mais pour ceux sur Internet qui vont me critiquer après. Je vais juste vous dire c'est facile de dire je suis contre la provision de Dieu quand vous êtes dans la provision de Dieu. Mais quand vous êtes pauvre et vous avez la difficulté à nourrir vos enfants, vous voulez entendre ce que je vais dire en ce moment. Amen. Quand vous avez des difficultés, vous vous dites Mais je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir mes enfants cette semaine. Dieu veut vous libérer aujourd'hui. Amen. Et pour entrer dans notre prochaine saison spirituelle, Dieu veut que vous soyez tous transformés à ce niveau-là. Amen. Gloire à Dieu. OK, on continue. Donc, venez avec moi dans Marc 10. On va lire un récit ici. Euh, un texte dans la parole de Dieu qui a souvent été mal utilisé pour nous faire à croire que Jésus veut qu'on soit pauvre. Gloire à Dieu. Vous êtes là dans Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Je vais vous lire le récit de l'homme riche. Commençons au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit :« Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour irriter la vie éternelle ?» Jésus lui dit :« Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc déjà, cet homme-là ne reconnaissait pas Jésus comme étant plus qu'un maître, juste un enseignant. Et Jésus lui dit :« Mais pourquoi tu m'appelles bon et seulement Dieu qui est bon. » Verset 19 Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Donc, Jésus lui dit comment il devait vivre selon la loi juive, et c'est bon pour nous tous en passant. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, en autre mot, moi je vais avoir la vie éternelle, mais j'ai déjà fait toutes ces choses-là. Jésus, ayant, l'ayant regardé, l'aima et lui dit. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus connaît exactement là où nous sommes spirituellement? Jésus regarda l'Emma et Jésus a discerné son problème. Il te manque une chose: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus est en train de dire à cet homme: en fait, ton trésor, là, en ce moment, c'est ta, ta richesse. Et Jésus avait discerné que ça, que son trésor était dans ce monde. Il dit: Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était tout triste. Pourquoi cet homme était tout triste Parce que cet homme avait trouvé son trésor dans ses possessions. Il aimait ces choses-là plus que Dieu. Et Jésus connaissait son cœur. Et Jésus a dit Tu dois tout abandonner. C'est cette chose-là dans ta vie à toi-là. Tu dois tout abandonner entre les mains de Dieu. Tu dois donner ces choses-là aux pauvres pour être capable de me suivre. Certains d'entre vous, Dieu vous dit de donner d'autres choses, par exemple. Vous me suivez mais il était affligé parce qu'il savait, non, non, je ne peux pas donner mes choses aux pauvres. J'aime trop mes choses. Je préfère mes choses à l'appel divin. Wow. Verset 23, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés, dites étonnés, de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, pardon. Et reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, Et qui peut être sauvé Jésus les regarda et dit, Cela étant impossible aux hommes, mais non à Dieu car tout est possible à Dieu. Cette histoire est très facile à comprendre. Ce jeune homme-là aimait l'argent, il aimait ses possessions. Jésus a discerné dans sa vie à lui qu'il devait tout abandonner pour le suivre. Est-ce que ça fait du sens, ça? Amen. Et on peut souligner ici que les disciples du Seigneur Jésus étaient étonnés que Jésus disait que c'était difficile à un riche d'entrer au ciel. Jésus a précisé, il a dit... Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Voyez-vous, si on place notre confiance dans les richesses, c'est très difficile pour nous d'aller au ciel. Si on place notre confiance en quelque chose autre que Christ et Christ crucifié, c'est impossible pour nous d'aller au ciel. Souvent, ce qui se produit, ceux qui ont de l'argent aiment mieux l'argent que Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Mais l'argent n'est jamais un problème véritable. Le papier, ce n'est pas un problème. C'est le cœur. Amen. Il y a des gens qui sont très, très riches et qui aiment Dieu. Il y a d'autres qui sont très, très pauvres et ces gens-là aiment l'argent. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que, que vous aimez forcément l'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais être totalement en amour avec Jésus. Et Dieu vous dit Tu vas tout donner là, en ce moment et euh, tu vas faire ça parce que tu as un canal de bénédiction. La bénédiction coule en toi de toi, et puis voilà, je vais te bénir encore, mais Dieu peut parler à certaines personnes comme ça, parce que les gens vont juste libérer, libérer, libérer. D'autres personnes ont très peu. Ils ont 10 dollars, mais ils aiment leurs 10, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et le soir, ils comptent leurs 10 dollars. 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, 6, 7, 8, 9, 10 dollars. Et puis, ils vont se coucher avec leurs 10 dollars comme ça. Ils vont sentir leur dollars. Et c'est sale en passant faut se laver après, quand on se réveille. Comprenez ceci. Donc, l'argent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est toujours dans le cœur. Et Jésus avait discerné dans le cœur de cet homme que cet homme préférait l'argent à Dieu. Et la preuve, c'est qu'il est parti tout triste parce qu'il ne voulait pas tout abandonner. C'est la preuve que c'était son Dieu, que ces choses étaient son Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon. Donc, Dieu cherche notre cœur. Et là, on va voir deux autres passages, ou trois, qui nous parlent de l'amour de l'argent. Parce que les gens nous disent que l'argent est la source de tous les problèmes des maux. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Ça, c'est faux encore. 1 Timothée 6, verset 10. Je vais vous lire des versets, c'est important, parce qu'on a besoin d'établir un fondement biblique pour cet enseignement. Parce que sinon, il y a des gens qui vont essayer de me crucifier. Amen. Mais là... Vous avez besoin d'entendre ces versets-là et là, vous faites le ménage au fur et à mesure. Vous sortez le Windex du Saint-Esprit, vous faites briller vos Bibles et là, vous pourrez voir la vérité de la parole de Dieu. Parce que Satan veut vous garder dans une situation qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. 1 Timothée 6, 10, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Qu'est-ce qui est le problème? L'argent ou l'amour de l'argent? Bon, la Bible me dit que l'amour de l'argent est un problème. Amen. Est-ce qu'on va rajouter plus? Non. OK, on n'ira pas plus loin. Si vous aimez l'argent, vous avez un problème. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Hébreu 13, verset 5 dans la parole de vie, ne soyez pas attachés à l'argent, soyez contents de ce que vous avez. Ceci veut dire, vous avez telle provision et vous êtes content et vous pouvez dire merci Seigneur Dieu parce que j'ai cette provision-là dans ma vie. Je suis content, amen, je suis reconnaissant. Si, si nous sommes là en train de grogner, Dieu ne donnera pas plus pour qu'on puisse grogner davantage. Amen. Donc, si Dieu me donne une provision, je vais dire merci Seigneur Dieu pour cette provision, mais en même temps, la Bible me dit ne soyez pas attaché à l'argent, parce que si vous êtes un canal pour la bénédiction, si Dieu vous dit que cette provision-là doit être semée dans un ministère, dans une charité, peu importe, vous êtes simplement un canal et vous dites oui Seigneur, il n'y a pas de problème, parce que je ne suis pas attaché à l'argent, je suis attaché à toi. Vous comprenez? Mon cœur t'appartient. Donc, si j'ai cette provision, moi, je suis là juste pour administrer ce que tu me donnes pour ton royaume. Amen. OK. Tout ce que je vous dis là, là, en, en passant, c'est un message que les gens attaquent quand les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Parce qu'on se fait accuser d'être avare. Non, il y a des gens qui prêchent contre ce que je suis en train de vous dire et ils sont avares parce qu'eux aiment l'argent. C'est une question de cœur, amen. Gloire à Dieu. Bible des peuples. Ne courez pas après l'argent. Moi, j'aime cette version-là. Ne courez pas après l'argent. Sachez vivre avec ce que vous avez. Bon, on dirait c'est la version québécoise. Ne courez pas après l'argent, là. Avez-vous compris Sachez vivre avec ce que vous avez. Soyez reconnaissants. Vivez avec ce que vous avez. Ceci ne veut pas dire soyez satisfait dans le sens que n'aspirez jamais à d'autres choses, là. C'est pas ça que la Bible dit. Les gens rajoutent toujours à la Bible. Moi, ça me, ça me dérange ça. N'est-ce pas, c'est fatigant ça Oh, faut pas avoir d'argent parce que Dieu est contre l'argent, n'est-ce pas Parce que c'est l'argent est la racine de tous les maux. Non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que l'amour de l'argent est un problème. Pas l'argent. Vous savez une chose Si chaque enfant de Dieu est cassé comme des clous, traduction pauvre. Si tous les chrétiens sont pauvres, devinez qui va être riche Les enfants du diable. Les enfants du diable vont financer des choses. Contre le royaume de Dieu, n'est-ce pas vrai ça Amen. Mais si les enfants de Dieu ont de l'argent pour financer le royaume de Dieu, bien gloire à Dieu. Le royaume de Dieu peut avancer. Mais pour y arriver, pour croire qu'on a le droit d'avoir de l'argent, faut enlever un petit peu de ces fausses traditions qui règnent dans le corps de Christ. Amen. Il y a des traditions et Jésus a dit vous annulez la parole par votre tradition. Amen. Et en passant. Quand vous avez saisi la révélation que je suis en train de vous partager aujourd'hui, vous allez vous retrouver persécuté par des chrétiens qui ne comprennent pas. Vous allez vous retrouver persécuté par des chrétiens qui ne comprennent pas. Êtes-vous prêt à vivre un peu de persécution pour être un agent de bénédiction? Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. OK, là, ici, on a vraiment la confirmation que ce que Dieu recherche vraiment, c'est notre cœur. 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle. En autre mot, ici, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée qu'il devait s'adresser aux riches. Avez-vous lu cela dans votre Bible? Donc, l'apôtre Paul était pour prêcher à des riches. Déjà là, vous soulignez ça dans votre Bible. Là. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance. Dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toute chose, pour que nous en jouissions ou pour votre très grand plaisir. Bon, je vais le relire. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, recommande aux riches. Écoute bien. Quand tu vas prêcher Timothée, écoute bien ceci là. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Donc, Timothée, admettons, je suis Timothée et j'écoutais ce que l'apôtre Paul a dit, je vous dirais, ne soyez pas orgueilleux, ma gang de riches. Amen. Et ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines. Ne mettez pas votre espérance là-dedans. Vous êtes toute ma gang de millionnaires ici, là. Mais ne mettez pas votre espérance là-dedans, là. Mais mettez votre espérance en Dieu qui vous donne avec abondance. Toutes choses pour que vous en jouissiez. Avez-vous compris? N'est-ce pas clair comme l'eau de roche? Moi, je trouve ça clair. C'est pas, pas mélangeant, là. Amen. Mais ça prend des traditions des hommes avec une onction satanique pour comme, endormir le peuple de Dieu pour dire Vous, vous êtes destiné à un petit pain. Oui, tu viens à l'église. Écoute, on ne peut même pas partir le chauffage. C'est normal, on est destiné à des petites choses, nous autres là. Je sais que tu as faim, Dieu t'appelait jeûner, c'est tout. Jeûne, ben oui, jeûne et Dieu va peut-être te donner des miettes, là. C'est normal, écoute, on est des enfants de Dieu, il faut porter notre croix, il hein? faut le gagner, notre ciel. Non, c'est faux, ça, c'est totalement faux. Surtout quand vous lisez la Bible et vous lisez les histoires, les récits des patriarches, vous verrez qu'Abraham n'était pas sur l'assistance sociale. Amen. OK, je continue. Hallelujah, est-ce que vous me suivez Je m'en vais pas trop vite là. Vous me suivez Gloire à Dieu. Hallelujah. Le diable est pas content là. Je sais, je vais, je le dérange en ce moment. C'est bon. Amen. Bon, là j'ai des notes et j'ai quelques minutes. Je peux vous enseigner les lois de la pauvreté. Voulez-vous savoir comment être pauvre Ben j'ai, j'ai déjà préparé des notes. Voici comment être pauvre. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq points. Je peux tout de suite aller à d'autres choses là, pour aller plus vite. OK. Qu'est-ce que je fais, Saint-Esprit? Rapidement. Et si on déborde là, de midi, allez-vous quitter en courant? J'attends un, un non en équipe. Là. OK, parce que sinon, s'il y en avait... 5, 6, puis après, je vous vois, j'ai juste des chaises à la fin. J'aime moins ça. Alléluia. OK, la loi de la pauvreté. Si vous voulez être pauvre, voici l'enseignement comment être pauvre. OK? Vous voulez savoir comment être pauvre? Je vais vous enseigner maintenant la formule satanique comment être pauvre. Amen. Formule satanique. Je vais vous dire ce que les gens font pour être pauvre. Amen. Et là, cette partie-là, je ne pense pas que les gens vont reprendre cette partie de la prédication pour m'attaquer. Ils vont toujours prendre la partie de la bénédiction. Mais il y en a là qui, qui sont contre le message de la libération des enfants de Dieu. Puis ils vont toujours prendre des parties qui leur tapent. Mais là, là, je vous mets au défi. Prenez cette partie-là aussi. Là. Amen. Alléluia. Voici comment être pauvre. Reposez-vous bien. Vous voulez être pauvre? Première chose, reposez-vous bien. Soyez au repos. Proverbe 6. Verset 6. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? N'est-ce pas bon cette version-là? « Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais, pendant ce temps, la pauvreté, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. » Quand vous êtes là, oh, « ben, je vais me reposer, je ne vais pas travailler. » La Bible dit, « La pauvreté s'introduit chez toi. » Hello, monsieur, pauvreté, c'est moi. Je m'en viens rôder chez toi et ma femme, la misère aussi. Pauvreté et misère, voilà, on déménage chez vous. Bon, première chose, accueillez la pauvreté et la misère chez vous. Si vous voulez être pauvre, voilà. Vous êtes toujours avec moi? OK, deuxième point, c'est une loi de la pauvreté. Pensez à vous-même constamment en tout temps et ne pensez qu'au présent. Pensez juste à vous. Des chrétiens disent, ben moi, là, quand j'entends parler de finances, moi, ça ne m'intéresse pas, là. Vraiment, là. En autant que j'ai suffisamment, suffisamment de provisions pour moi-même, c'est ça qui compte. Avez-vous déjà entendu ce discours très spirituel? Moi, là, le monde qui prêche sur la prospérité, ça me dérange. En autant que j'en ai assez pour moi, là, c'est ça qui compte. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal là-dedans? C'est égoïste, n'est-ce pas? En autant que j'en ai pour moi, là. Non mais, non, avez -vous vu chose? non, mais sérieux, là quand les gens se pensent spirituels, ils disent, en autant que j'en ai assez pour moi. Oui, dans, dans la Bible, ça nous dit toujours hein, moi, moi, moi. Non, écoutez bien, pensez à vous-même et au présent. Le pro proverbe 13, verset 22, King James française, version King James française. « Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est amassée pour le juste. » bon si moi, je suis un bon papa, je ne pense pas juste à laisser un héritage à mes enfants. Je dois penser à laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Je vous lis la Bible en passant. C'est vrai? C'est la Bible que je vous lis. Alléluia. Donc, si je dois penser aux enfants de mes enfants, ceci veut dire que je devrais avoir suffisamment pour vivre. Là. Moi, je suis capable de manger. Plus que des, des boîtes de conserve, là, de la viande réchauffée qui, qui est pas bonne. Il faut que je sois capable d'être super, assez prospère, que je peux prendre soin de mes enfants et laisser même un héritage à mes petits-enfants. L'avez-vous lu dans votre Bible ou dans une mauvaise théologie? là N'écrivez-moi pas, c'est correct. Mais là, la Bible me dit un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est amassée pour le juste. Bon, gloire à Dieu, c'est dans la Bible. Ce que je viens de vous lire est biblique. Troisième chose que vous devez faire pour être pauvre, soyez radin. Cheap. Soyez cheap. Soyez radin. Soyez égoïste, centré sur vous constamment. Alléluia. Oh, il y a de l'onction ce matin. Hein? Proverbe 11, verset 24. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la... Pauvreté. Oh! Bon, la Bible me dit, telle donne libéralement ou généreusement et ses richesses s'accroissent. Ceci veut dire, si je donne libéralement, ma richesse augmente en donnant. Mais le système de ce monde me dit, si je donne, j'en ai moins. N'est-ce pas vrai? Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le, le royaume naturel. Dans le royaume naturel, si je vous invite à manger chez moi, OK? Et je sors une tarte. Et je coupe la tarte en morceaux. Et je vous sers, maintenant, je me sers un morceau. Vous imaginez que vous avez moins de morceaux pour vous. N'est-ce pas vrai? Vous pouvez imaginer une tarte? Est-ce que vous pouvez voir une tarte aux pommes, là? Bon, j'ai mis la crème potée dessus, dans le milieu. J'ai une tarte aux pommes. Je coupe un morceau pour, pour moi, pour ma femme, pour mes deux filles. Et là, vous pensez, hum, je me demande ce qui va m'en rester. La mentalité naturelle dit que l'économie fonctionne comme une tarte. L'économie de Dieu fonctionne comme une rivière. Le plus qu'on saute dans l'eau, le plus qu'on a du plaisir. Mais dans le royaume naturel, le plus qu'on donne, le moins qu'on a. La Bible dit le contraire, carrément le contraire. Telle donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Telle autre épargne à l'excès. Et se trouve dans la pauvreté. Ça ne dit pas ici qu'on ne doit pas épargner du tout. La, la Bible dit épargne à l'excès. Parole de vie. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Certains d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous êtes radins. Vous êtes cheap. Vous ne donnez pas. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Mais là, je n'ai pas d'argent à donner à personne, moi. Payer le resto à quelqu'un? Mais ben là, voyons. On ne sort pas bien ben souvent, là. Je pense que Dieu comprend. Oh, Dieu comprend? Mais la, la question est ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Avez-vous invité quelqu'un au resto cette année? Bon ben j'espère que oui. Donnez-vous des fois, semez-vous. Il y a des gens qui veulent une récolte. Moi, je veux récolter. Hallelujah, je décrète et je déclare. Je, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Hallelujah, oh, hallelujah. Mais il y a zéro semence. C'est comme le fermier. Hallelujah, je réclame, je réclame. Avez-vous semé? Non, mais c'est Dieu qui va le faire. Non, non, non. Dieu a dit semer, vous récolterez. Dieu va vous donner une récolte, mais vous devez semer. Savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez. Priez la semaine pour les semences que vous avez semées. Savez-vous que vous pouvez arroser vos semences avec vos prières? Certains d'entre vous, vous ne récoltez jamais parce que vous savez juste semer, mais vous ne savez pas comment récolter. Vous ne savez pas comment arroser. Hallelujah! Vous semez. Ben là, merci Seigneur Dieu, parce que j'ai pu acheter une poutine à Isabelle. Merci Seigneur Dieu, j'ai pu semer une poutine dans sa vie. Hallelujah! Et je récolte 100 poutines en retour. Gloire à Dieu. Je donne ça comme illustration. Vous comprenez? Mais des fois, on est là, mais prenez au sérieux vos semences. J'ai semé ça, merci Seigneur Dieu, parce que gloire à Dieu, j'ai été une source de bénédiction. J'ai donné une poutine, la prochaine fois peut-être ça va être une voiture. Alléluia. Ah, C'est vrai? Amen. Ben, si j'avais de l'argent, là j'en donnerais, mais là je n'ai pas d'argent. Avez-vous 4 pièces et 75? Faites des, commencez là où vous êtes. Commencez là où vous êtes. Si vous voulez acheter une guédille. Donnez une guédille. Et c'est quoi une guédille? C'est comme même pas un hot-dog. On n'a même pas de viande. C'est du pain avec la salade de sou, avec un peu de condiment. Vous n'avez même pas mis la viande dedans, mais des frites aussi. C'est une guédille. Commencez avec la guédille. Semé. Une et 75. Semez une guédille. Alléluia. Commencez là où vous pouvez. C'est le point de révélation ce matin. Bon, certains d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous êtes radins. Dites Amen. Alléluia. OK, l'autre point. Faites semblant que vous aimez être pauvre. Faites semblant que vous aimez ça, être pauvre. Faites semblant. Vous ne pouvez pas vous cacher. Dieu, dans Matthieu 6,32, toutes ces choses matérielles toutes ces choses les païens s'en préoccupent sans cesse certains chrétiens s'en préoccupent aussi mais comment est-ce qu'on va faire manger comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va faire... Mais votre père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin votre père là, sait déjà que vous en avez besoin votre père connaît déjà votre cœur il sait toutes choses sur vous donc arrêtez de faire semblant que vous êtes content comme ça dites j'ai besoin de vivre un changement amen c'est pas normal. La Bible me dit quand, écoute, je vais relire, vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements, vous serez privé de tout, privé de tout, constamment dans la privation. Si vous êtes dans la privation constante, constamment, toujours, tout le temps, c'est pas bon. Amen. Mais si vous faites semblant, non, non, c'est beau, écoute. L'apôtre Paul, lui, il savait comment être content dans l'abondance, dans la disette. Moi, regarde. Moi aussi, je suis content, là. Mais remarquez, l'apôtre Paul savait passer à travers des épreuves parfois. Il reniait pas son Dieu. Il était reconnaissant en toutes choses. Amen. Mais avez-vous remarqué que le mot abondance existe là? Ce, ceci veut dire qu'il y avait des moments de bénédiction et d'abondance. Mais il y en a qui disent Non, non, moi c'est la disette pendant 50 ans, puis c'est ça mon sort dans la vie. Non, ce n'est pas normal. Hallelujah. Parce que quand vous êtes toujours dans la disette, vous ne pouvez pas répondre à l'appel de Dieu pour financer son royaume. Puis c'est plus grave, c'est pire que vous pouvez penser si vous êtes toujours cassé et pauvre. Hallelujah. OK. OK, un autre point. Donc, faites semblant que vous aimez être pauvre. Faites semblant. Je ne dis pas de, de commencer à vous plaindre à droite et à gauche. Là. Vous avez juste besoin de dire OK, non, ça, ça suffit. Euh, on doit vivre un changement. Amen. Ah, amen. Vous suivez? Cette chose doit changer. Amen. Croyez l'opinion religieuse et niez la Bible. Êtes-vous prêts? Là? là, je vais vous lire un texte qui va déranger tous les esprits religieux. Êtes-vous prêts? Ouais. Attachez vos trucs, là. Attachez-vous avec votre ceinture. Bon, vous êtes prêts, là. N'êtes avec moi dans 2 Corinthiens 8 et 1 au verset 9. Je vais vous lire une version Louis II au tout début qui va vous aider un peu. Là. Au début, vous allez dire, OK, c'est correct. Là, ce qu'on va voir, tout ça peut changer votre vie. En passant, juste avant de, de vous lire ce texte-là, je vais vous définir le mot riche parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez commencer à avoir peur. Là. J'ai dit, oh non, 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 ça ne se peut pas que Dieu va me bénir, ça ne se peut pas, non, non, non. J'ai même entendu un témoignage d'une personne qui était dans le besoin et qui était malade et quelqu'un lui a dit, va surtout pas dans l'église du pasteur Joel Spinks, va surtout pas là. Puis ils ont dit, mais pourquoi? Mais parce que je suis pauvre et malade, ils, vont, ils risquent de prier pour moi que, que, que Dieu me guérisse et que, que je sorte de ma, de ma pauvreté. Ça risque de m'arriver dans cette église-là. Donc, il ne faut surtout pas y aller. Vous voulez rester pauvre et malade, n'est surtout pas ici. Surtout pas, c'est vrai. Ne venez pas ici si vous êtes malade et pauvre et vous voulez demeurer comme ça. Venez surtout pas ici. Parce que nous, on va prier pour vous pour que vous viviez une percée. Amen. OK. Là, définissons le mot riche. Combien d'entre vous, vous avez peur de ce mot? Vous tremblez quand vous entendez ce mot-là, riche? Il n'y a personne qui lève la main. Mais combien d'entre vous, vous pensez, par exemple, le mot riche, c'est quand même un peu sale, là. Être riche, c'est comme sale. C'est pas trop spirituel. Qui va l'avouer dans cette église? Les riches ne sont pas vraiment spirituels parce qu'ils doivent passer tout leur temps à courir après l'argent et aimer l'argent. Les riches sont comme ça. Non? Ah ben, vous êtes déjà très transformé ou très malhonnête? Ok, hallelujah! Riche, le mot riche, dans le petit dictionnaire Larousse, ce qui contient tel élément en forte proportion ou quantité qui présente de nombreuses possibilités. En d'autres mots, l'abondance ou être sans limite. C'est ça, être riche. Moi, j'aime mettre de la crème riche dans mon café le matin. Hallelujah! Ce n'est pas un péché de mettre de la crème riche dans mon café parce qu'il y a beaucoup de crème de richesse dans mon café. Ce n'est pas mauvais. Alléluia Est-ce que vous me suivez La richesse veut dire beaucoup de quantité. On nous parle de quantité, nombreuses possibilités, l'abondance, ne pas avoir de limites. Ah oh, ben il ne faut surtout pas être riche. Avez-vous suivi De nombreuses possibilités, combien d'entre vous vous aimez ça avoir plusieurs possibilités Plusieurs possibilités, avoir de l'abondance sans limite, surtout pas. Mais non, mais c'est une bonne chose. Si votre cœur est droit devant Dieu, vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous avez tellement de cette quantité de peu importe la chose, si Dieu vous dit, tu vas le donner à tel ministère, tu vas donner à telle personne, tu vas semer, on va le faire parce que notre cœur appartient à Dieu. Je vais vous donner tout de suite une clé. Si vous dites, ben moi, je ne comprends pas pourquoi je vis jamais de percer dans mes finances, avez-vous déjà comme, été comme ça? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, mais pourquoi je ne vois pas de différence? Dieu va vous bénir selon la, 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 comment dire l'alliance que vous établissez avec lui. Si dans votre cœur, dès que vous avez, admettons vous avez besoin de 100 ce Noël, okay, vous dites, mais moi, j'ai besoin de 100 je veux gâter mes enfants, OK. Dieu va vous bénir, gloire à Dieu, Dieu bénit, Dieu répond aux prières, tout ça. Mais si vous pensez tout le temps là, à vous, vos projets, vous, vous serez limité. Mais si vous dites, Seigneur, moi là, si tu me donnes 1000 moi, je veux semer ce 1 000 $-là pour payer le voyage à Cuba de ma soeur. Admettons. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous dites, Seigneur, moi là, si tu me bénis avec tel montant, moi, je veux semer. Pas pour moi, là. Voyez-vous, là. Vous pouvez devenir riche en bonnes en bonne œuvres. Vous pouvez faire des choses parce que vous dites déjà, Seigneur, ce n'est pas pour moi. là. Je veux juste devenir un canal. Je veux commencer à distribuer ce que toi tu veux que je donne aux gens. Mais là, Dieu dit OK, OK. Tu as dit que tu lui as donné 1000 dollars pour payer son voyage à Cuba? Tu as dit ça? Parfait. Bonjour, mon frère. Ah, oh, bonjour, Ginette. Hey, le Saint-Esprit me dit de venir te donner 1000 $.»« dollars. Ah, ben, gloire à Dieu. Merci. Bye-bye. Chérie, on va avoir un beau Noël cette année. Hallelujah! Oh, Dieu a entrepris pour tous nos besoins. Un instant. Est-ce que tu as prié, tu t'es engagé envers Dieu, que tu étais pour semer 1000 dollars pour payer un voyage à quelqu'un en mission? Et tu vas prendre cette provision-là pour Noël? Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Dieu dit ça? C'est ça que je vois là, en ce moment? Ah, ok. Donc, au lieu d'être un canal, toi, tu es un réservoir. Tu manges ma semence. La prochaine fois, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Comprenez-vous? C'est ça qui se passe. Hallelujah! Certains d'entre vous, vous avez zéro projet pour le royaume de Dieu. C'est toujours vos projets à vous. « Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas! » Bien, parce que vous êtes bloqués. Vous êtes un réservoir bouché, bloqué. Ça ne sort pas, là. Il n'y a rien qui bouge. Oh, hallelujah! C'est tellement bon en ce, en ce moment, là. C'est la, la réalité. Est-ce que vous me suivez? Seigneur, moi, cette année, admettons votre foi, vous dites « Cette année, là, je, je suis dans la foi, je vais avoir 50 je vais acheter une dinde pour donner à telle famille dans l'église. Mon cœur, c'est d'offrir une dinde pour leur Noël, pour leur souper de Noël. OK? Commencez-là. Au lieu de 1000 si vous êtes plus au niveau de 50 commencez avec 50 dollars. Seigneur, moi, cette année, si j'ai une provision supplémentaire de 50 dollars, je vais être capable, je veux même me sacrifier, je vais être capable d'offrir une dinde à telle famille dans, dans l'église. Admettons, là. Quelqu'un vous dit, le Saint-Esprit me dit, je dois te donner 50 dollars. Allez-vous honorer votre parole? Si vous honorez votre parole, vous, et personne ne le sait, là, on n'est pas au courant, on ne sait pas que vous avez donné une dingue, il n'y a personne qui, qui est au courant, mais Dieu est au courant. Alléluia, Dieu voit. Et là, Dieu voit votre fidélité. Ah, il a donné une dingue comme il avait promis. Bon, cette fois-ci, il me fait une autre promesse, une autre alliance. Il tisse une alliance avec moi. Et là, Dieu voit votre cœur. Dieu le sait que vous aimez Dieu, vous aimez son royaume plus que votre portefeuille, plus que votre nombril. Donc, Dieu va vous bénir. C'est comme ça que ça marche. Comprenez? Donc, vous allez semer, semer, mais si vous avez zéro projet pour le royaume de Dieu, vous êtes juste Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Et là, Dieu dit, je, je t'ai déjà béni. Hein, Pasteur Jérémie? De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Hallelujah. Tu es déjà béni. Arrête de, arrête de demander ça. Est-ce que vous me suivez ce matin? Là, vous avez besoin d'avoir un projet pour Dieu. Oh, hey, c'est une bonne réunion pour avoir un projet. Hallelujah. Oh, glory. Peut-être qu'il y a une église qui lance un appel au partenariat. Peut-être. Peut-être que c'est une bonne réunion pour établir une alliance avec Dieu. Hallelujah! Non, mais comprenez, établissez des choses avec Dieu pour le royaume de Dieu et vous verrez des choses changer dans vos vies. Mais la fa... le problème, c'est qu'on est toujours là en train de dire « Seigneur, bénis-moi, moi, 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 moi. moi. » puis on n'a aucun projet, aucune piste d'atterrissage pour que la bénédiction vienne. C'est juste nous. Mais Dieu veut qu'on soit vraiment des canaux de bénédiction. Hallelujah! OK, vous me suivez? Il faut que j'arrête, là, parce que je sais que votre cerveau va exploser bientôt. Donc, Hallelujah. Il me reste trois minutes de gloire. Hallelujah. Je vais peut-être faire une série. Gloire à Dieu. <laughs> Qui a dit Amen? <laughs> Hallelujah. OK. Est-ce que vous me suivez? Je vais terminer avec un verset. Oh non, je ne l'ai jamais même lu. Il faut que je lise au moins mon verset que j'étais pour lire. et hey, là, là, vous étiez pour vous en sauver trop rapidement. Ok, ah non non non. Hallelujah. Ok, c'est le dernier point, la loi de la pauvreté. Ok, c'est ça. Je vous ai déjà averti de vous attacher la ceinture, le chapeau, la ceinture, tout le kit. Vous êtes attachés. Bon, là, je vais vous lire ce verset là. Et on verra, mais je vais faire une série peut-être parce que ma femme est remplie de sagesse. Puis je veux pas, je veux pas que vous ayez trop d'informations et que ça ne donne rien. Hallelujah. Moi, je ne presse plus des messages qui ne donnent rien. Hallelujah, je le déclare. 2 Corinthiens 8, 9, Bible du sommeur. 2 Corinthiens 8, 9. J'ai déjà dit que la richesse, c'était d'avoir suffisamment de quantité, avoir de nombreuses possibilités. Sans limite. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche. Dites lui qui était riche. Il s'est fait pauvre pour vous. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon, ce texte-là, la majorité des chrétiens vont dire Ah, oh, bien là, OK, ce texte-là concerne la richesse spirituelle, on s'entend qu'on peut être béni spirituellement. En fait, ce texte-là, vous lirez le contexte à la maison, je vous donne des devoirs. Ce contexte nous parle d'argent tout au long du contexte. Vous lirez, une loi spirituelle, on ne peut pas sortir un texte hors son contexte pour en faire un prétexte. N'est-ce pas? On doit prendre le texte dans son contexte. Le contexte nous parle de finances. La Bible dit Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche. Jésus était très riche au ciel, en passant, il n'y a pas d'assistance sociale au ciel. Il s'est fait pauvre pour vous. Comment ça? Il est descendu sur la terre, en marchant sur la terre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et dans Louis II, ils ont mis le mot enrichi. C'est comme du pain enrichi. Le pain enrichi ne fait pas peur aux gens, n'est-ce hein? pas? Quand c'est enrichi, là, quelque chose est enrichi, ceci veut juste dire que c'est mieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça dans le texte. Je vous lis dans la version King James française. Êtes-vous prêt? Le même texte, King James. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, cependant, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. Tout court. Pas enrichi, devenez riche. Sans limite. Hallelujah. Ah, mais ça, ça fonctionne juste au, au Québec ou en Amérique. En fait, euh, il y a un pasteur en Afrique, en, au Nigeria, pardon, il a pris ces mêmes principes que je suis en train de vous dire, et puis ils ont une des églises les plus prospères sur la planète. Ils ont compris que Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction. Et quand nous sommes bénis pour être une source de bénédiction, en passant, Dieu aime ça aussi que ses enfants soient bénis. C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur du Père. Mais. Dieu ne bénira pas, ne vous permettra pas de vivre ou d'expérimenter plus de la bénédiction si vous avez un cœur tortueux, tortueux, si vous avez un cœur qui n'est pas vraiment engagé avec lui. Si vous êtes un hypocrite. Vous comprenez? Si vous décré décrétez, vous déclarez, vous volez Dieu en passant Hé, hey, je vais terminer. Pour déranger les amis à la maison, là, je vais vous déranger encore plus. Est-ce que je peux vous déranger? Combien d'entre vous, mes amis sur Internet, iraient voler une banque? C'est rare, hein? Vous faites l'écrire dans le bas de l'écran? Oui, j'irais voler une banque. La majorité des gens n'iront jamais voler une banque, et pourtant, c'est des êtres humains, ça. N'est-ce pas? Quand on va voler une banque, on vole des êtres humains. Mais combien d'entre vous, vous aimez voler Dieu? Ah oh, ben, la dîme, c'était sous l'ancienne alliance. Un. » Faux. La dîme, c'était avant la loi, pendant la loi, après la loi. C'est un principe économique de Dieu. C'est un mensonge, vous croyez des mensonges. Hallelujah. Il oh, faut que j'arrête de prêcher. Gloire à Dieu. Amen. Vous dites, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas béni. Bien, Dieu ne bénit pas beaucoup les voleurs. Ça, ça descend. C'est là. C'est là. Non, c'est vrai. Hallelujah. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous? Oui, il y a de l'espoir. On peut se repentir, on peut honorer Dieu avec notre vie, on peut lui remettre les prémices, l'honorer vraiment. Si on, on lui donne les prémices, Dieu va bénir toute notre vie après, les finances. Et après, on peut commencer à, à mettre en pratique les principes de Dieu que je vais vous enseigner la semaine prochaine. Oh, gloire à Dieu, je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que j'enseigne, parce que je, je sais que j'ai un, un vocabulaire trop chic et sophistiqué. <laughs> non. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas comprendre. Hallelujah. Donc, conclusion. À l'église victoire, on enseigne, quand on va dans cette église-là, on devient riche. Ah, c'est ça que j'ai prêché, n'est-ce pas? Non. Si c'est ça que vous pensez, vous n'avez rien compris. Dieu cherche votre cœur, premièrement, et Dieu veut faire de vous des canaux de bénédiction. Dieu vous aime, il ne veut pas que vous viviez sous la malédiction et être parmi ceux qui disent. Je peux pas, je peux pas. On va, on va prier ensemble ce matin en terminant. Vous savez, on a lu un texte où l'apôtre Paul avait dit à Timothée recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Voyez-vous ce qui se passe quand on est riche, comme dans un pays comme ici, comme au Canada On peut être orgueilleux, autosuffisant. je vais m'organiser, Seigneur. Ne pas avoir besoin de Dieu. C'est vrai ça. Les, les gens les plus riches se disent ben, je vais m'organiser tout seul. Ça, c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? C'est un manque de foi dans la provision de Dieu, mais c'est aussi de l'orgueil. Dis, Seigneur, je vais m'organiser avec mes flûtes. Je vais m'organiser tout seul sans toi. L'apôtre Paul l'avait dit à son fils Timothée recommande aux riches, recommande aux Québécois du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur travail, dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Pour que nous en jouissions. Par étant, je vais prier en ce moment avec chaque personne qui va s'accorder en ce moment. Je vais te demander, Seigneur Dieu, pour notre orgueil, notre autosuffisance. S'imaginant qu'on était pour s'organiser tout seul sans toi. Seigneur, on ne veut pas te limiter. Tu veux nous augmenter pour qu'on puisse augmenter nos semences pour ton royaume. Seigneur, il y a 274 000 francophones sur cette terre. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Seigneur, on n'y arrivera pas tout seul. On est incapable d'y arriver sans toi. On a besoin de ta main surnaturelle. On a besoin de ta provision. Seigneur, on ne veut pas être une gang d'orgueilleux. On ne veut pas être autosuffisant et dire on va s'organiser nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, pour notre autosuffisance pour notre orgueil. Purifie nos cœurs. Lave-nous, lave-nous, lave Seigneur Dieu. Aujourd'hui, on veut se repentir de notre, de notre orgueil, notre autosuffisance. On veut rétablir des choses selon ton ordre, l'ordre divin. On veut rétablir des choses aujourd'hui. On veut t'honorer. On veut déclarer premièrement que tu es le centre de notre vie. On veut rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Et toutes les autres choses, je sais Seigneur, tu vas t'en occuper. Aujourd'hui, je crois aussi que tu parles à des frères et des sœurs ici pour leur vie personnelle. Des choses que je n'ai jamais prononcées, mais Seigneur, tu as mis ton doigt sur des choses dans leur vie qu'ils ont mis en priorité. Je te prie, Seigneur Dieu, parle à ces frères et ces sœurs qui puissent totalement s'abandonner comme cet homme riche qui ne quitte pas cette place triste, comme l'homme riche qui a quitté, qui n'a pas suivi Jésus parce qu'il aimait mieux le matériel. Oh Seigneur Dieu touche les cœurs dans cette assemblée, qu'on puisse vraiment te plaire avec nos vies, qu'on puisse vraiment t'adorer avec nos vies, au-delà des chants, au-delà d'un temps de louange, mais avec nos vies. Je prie, Seigneur, que chaque personne en ce moment qui dirait, je me repens, je veux vraiment m'engager avec toi, Seigneur Dieu. Je te prie que cette année 2017, on est juste à l'aube de cette année, je prie qu'en 2017, qu'ils puissent voir un changement radical dans leur vie qui puisse être surpris, Seigneur. Je prie que tu les inspires avec des projets divins. Des projets divins. Des projets divins. Seigneur, manifeste cette bénédiction que tu as déclarée sur Adam et Ève, que tu as déclarée sur Noé. Seigneur, que tu as déclarée sur Abraham. Je prie, Seigneur Dieu, que tu manifestes la bénédiction qui vient de toi Alléluia, manifeste cette bénédiction dans leur vie aujourd'hui et en 2017, que ce soit une année totalement différente. Augmente mes frères et mes soeurs, augmente leur capacité d'avoir cette puissance pour toi. Alléluia, Alléluia. Et aujourd'hui, je veux déclarer maintenant une délivrance de l'esprit de pauvreté. Sur mes frères et mes sœurs, tous ceux qui ont vécu avec la mentalité de vivre toujours avec juste, juste assez pour soi-même. Au nom de Jésus, je déclare maintenant une délivrance délivrance de cet esprit de manque. Aujourd'hui, je déclare sur vos vies l'abondance, le surplus au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Afin que vous soyez généreux. Et de devenir des canaux de bénédiction pour le Seigneur. Hallelujah, Jésus, gloire à toi, Seigneur Dieu. Hallelujah, amen.